Et salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo retour. Je tiens à faire cette vidéo pour m'expliquer de ma longue absence. Voilà, je vais tout te dire, je vais tout t'expliquer et tu vas tout savoir. Déjà dans un premier temps, j'ai repris la cigarette, la tueuse. Voilà, alors pourquoi? Je tiens vraiment à te dire pourquoi, à m'exprimer. Parce que de ma part, ça aurait été un manque de respect à tous mes abonnés de ne pas leur expliquer. Donc, je vais te dire. J'ai repris la cigarette tout simplement parce que j'ai perdu un être cher, un être proche qui repose en paix actuellement. Voilà. Donc, j'ai eu cette période où ça a été très compliqué. J'ai été très, très, très fragilisé. Et je tiens à partager cette vidéo de mon expérience personnelle. Et la partager vraiment pour faire comprendre à tous ceux qui ont repris la cigarette classique, la tueuse, comment faire pour reprendre la vape. Parce que bien évidemment, j'ai repris la vape, ça a toujours été ma passion, ça l'est toujours, ça n'a jamais changé, malgré ma période de deuil et de longue absence. Voilà, donc je tiens à t'expliquer que dans la vie, bien sûr, tu as des coups de mou, une séparation, la mort, la perte de n'importe quoi, de travail, peu importe. Il y a toujours des coups de mou, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit dans cette vie. Mon expérience personnelle, bien évidemment, c'est subjectif. Ce que je vais dire aujourd'hui, ça m'est personnel et propre. Donc, c'est un conseil que je te donne, car pour moi, bien évidemment, ça a marché, mais j'ai un peu triché parce que je savais comment faire pour revenir dans la vape. Ça a été une période, je savais très bien que le jour où j'ai repris ma première cigarette, parce que j'étais pas bien, que j'étais vraiment fragile, je savais très bien que c'était périodique. Voilà, il y aurait cette petite période. Pas de problème à ce niveau-là pour moi. Mais pour ceux qui ne savent pas comment faire, ben, je vais t'expliquer. Le matin, quand tu te réveilles, tu vas prendre ta clope, ton café classique. Voilà, ou si tu ne bois pas de café, tu vas... peu importe. Tu vas fumer ta première cigarette. Peu importe l'heure. Tu vas aller te laver les dents. Qu'est-ce qui se passe après savoir s'être lavé les dents? C'est que ta bouche va être mentholée avec un dentifrice classique. Et là, ce qui se passe, qu'il faut regarder attentivement, c'est la cigarette que tu vas allumer après t'être lavé les dents. Moi, quand j'ai repris, voilà, je me lavais les dents et dirais je reprenais une cigarette. C'est là que j'ai eu ce flash, mais elle n'est pas bonne. Je peux dire ce que je veux, je la fumais, mais elle n'est pas bonne. Je la fumais pour la fumer. Parce qu'un fumeur, peu importe, il va la fumer. Que ce soit bon ou pas. Juste petite parenthèse, ça ne me manque absolument pas. La cigarette classique ne me manque absolument pas. J'ai passé cette période très difficile, je n'en ai plus besoin. Je suis revenu à la vape. J'incite personne, bien évidemment, à replonger pendant des périodes difficiles. Mais après, la vie fait que. Voilà, ça, c'est mon expérience personnelle. Revenons à nos moutons. Une fois s'être lavé les dents, vous avez ce côté mentholé qui n'est pas terrible. Alors, reprenez votre plus beau matériel, votre plus bel atto, votre plus belle cigarette électronique. Mais par contre, ne reprends surtout pas, mais je dis bien, ne reprends surtout pas ton liquide préféré. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Si tu veux arrêter de fumer et reprendre la vape, déjà, il y a deux solutions et deux choses à faire. Munis-toi de ton plus beau matos avec un liquide adapté pour arrêter de cloper. C'est-à-dire, première étape, prends ton matos. Deuxième étape, prends un liquide fruité frais. Alors, je sais, tu vas regarder cette vidéo, tu vas dire, ouais, mais merde, moi, je suis plus gourmand. D'accord, moi aussi. Oublie ton gourmand, oublie ton liquide tabac, oublie tous les liquides que tu as connus et que tu aimes. Si tu n'aimes pas le fruit rouge avec la fraîcheur, eh bien, vape-le. Vape-le pour t'écœurer de la tueuse, de la cigarette classique. Et tu verras que ça marchera. Ce côté mentholé, attention, on ne t'a pas demandé de t'arracher la bouche et les palais avec des trucs hyper mentholés non plus. Juste quelque chose de frais avec une pointe de fruits rouges ou l'inverse. Quelque chose de très fruit rouge avec une pointe de fraîcheur. À toi de voir. Il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de liquides. Fais tes petites recherches. Tu verras, pour ma part, c'est un Ragnarok. Voilà, un Ragnarok.
ça coûte 15 balles en concentré, grosso modo, tu en as pour 25 balles. En 6 mg de nicotine, tu te fais 200-300 ml et tu es tranquille pendant très longtemps. Ça stippe très vite. Stipper, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire le temps de maturation. Voilà. Le temps de maturation pour que ton liquide arrive à son niveau, à son graal, quoi, soit très bon, tu en as à peu près pour 4 jours. 4-5 jours, il est très bon, c'est très correct. Et ça se vape tranquille, sans forcer. Donc voilà, ça c'était mon explication à moi personnelle. Ne t'interdis pas de fumer au début. Si tu en as vraiment envie, que tu vois que tu as besoin d'une cigarette, prends ta cigarette, fume-la. Ne te mets pas de bâton trop de partout. Prends ta cigarette, fume-la. Mais n'oublie pas ça. Une fois que tu l'as fumé, tu attends 10 minutes. Et tu prends ça. Tu tires 3-4 taffes. Tu la poses. Tu continues. Tu as envie de cloper? Prends ta cigarette électronique. Vape, 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 vape. Quand tu vois que tu tiens plus, tu es à bout, prends ta clope. Fume-la. Tu verras déjà, tu vas réduire. Et arrivé à un moment donné, elle va t'écœurer. La cigarette classique va t'écœurer. Je n'incite personne à fumer. Je n'incite personne à reprendre un paquet de cigarettes et de vaper en même temps. C'est pas ce que je veux vous dire. Attention, hein, c'est pas ce que je veux te dire. Je partage mon expérience personnelle. Bien évidemment, comme je l'ai dit, je sais, je suis un tricheur. Je sais très bien comment on fait pour reprendre la vape et ne plus toucher une cigarette. Moi, ça a été un choix personnel et j'en assume complètement les conséquences. Je savais très bien que je voulais reprendre la cigarette et j'en avais envie. À ce moment-là, j'en avais besoin. Mais je savais très bien que du jour au lendemain, je ne toucherais plus une cigarette. Donc, me revoilà, je suis là, ça fait pas non plus un an que je fume, ça fait quelques mois, à peu près 3-4 mois. Voilà, 3-4 mois en arrière, ça fait à peu près 3 mois que j'ai repris la cigarette électronique, bien évidemment. Mais je n'avais pas la tête à faire deux vidéos. Mais je tiens vraiment à partager cette expérience parce qu'il y a beaucoup de vapoteurs qui reprennent la cigarette, mais qui ne veulent plus, ils veulent plus entendre parler de leur matériel, ils le laissent de côté, ils veulent l'oublier, c'est de l'histoire ancienne, j'ai été vapoteur. Non, il faut se dire, j'ai été fumeur, je suis vapoteur. C'est ce qu'il faut se dire, il faut aller dans ce sens-là. Donc ne te prive pas, fais ton petit mélange de fruits et fruits rouges, tu verras, au fur et à mesure, force-toi, prends-la avec toi. Même si tu ne vas pas, prends-la avec toi, force-toi à tirer quelques taffes dans la journée et tu verras petit à petit, ça viendra à bout. Ça viendra à bout de cette merde de cigarette. Et elle n'existera plus pour toi. Tu prendras vite goût de ça. Et crois-moi que tu y arriveras. Ça ne sert à rien de doser en 20 mg, en 18 mg. Tu te prends du 6 mg. Si tu as été vapofumeur, ça suffit largement. Et si tu n'as pas été vapofumeur, tu essayes de te prendre un fruité fruit rouge d'un plus petit matériel. Bon, bref, ça, c'est une autre vidéo. Ça, c'est autre chose. Je parle vraiment pour les vapoteurs qui ont eu un coup de mou. Voilà, comme moi. Voilà, je vous parle de mon petit historique et j'espère que ça a pu vous aider. C'est tout, je ne vais pas me parler pendant 20 ans. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec toute sympathie, avec plaisir. Bon, je ne suis pas docteur non plus, hein, attention. Hein. Je vous parle de mon expérience à moi. Mais si vous avez des questions personnelles, je peux répondre par rapport à mon expérience sur le retour de la cigarette électronique. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à lâcher des commentaires si vous avez besoin de poser des questions, bien évidemment. Et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.